Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Arnaud et Marie-Laure de la Balletterie. Bonjour Arnaud, bonjour Marie-Laure. Bonjour Elisabeth, bienvenue à la Balletterie. Donc là, on est dans votre atelier. C'est un atelier qui est récent ? Oui, c'est un atelier qui est récent. Il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, on l'a restauré complètement et j'ai voulu redonner cette ambiance de l'époque d'un ancien atelier parce qu'on travaille avec des très vieilles machines qui sont des machines extrêmement rares. D'accord. Elles viennent d'où ? Alors, elles viennent de celle-ci près d'Uzès, dans le sud de la France. C'est un ancien balaitier qui était à la retraite, qui les avait conservées et qui a pu nous les vendre. D'accord. Et celle qui est derrière ? C'est une copie d'une ancienne machine qu'on a fait refaire parce que celle-ci ne marche pas à l'électricité. C'est moi qui l'entraîne avec mon pied. Et comme ça, on peut la faire tourner à la vitesse qu'on veut. C'est beaucoup plus confortable. Là, c'est toute la gamme de vos produits, de ce que vous faites avec... C'est une partie de la gamme de nos produits. Donc, on a des balayettes ailes de canard avec une aile un petit peu rustique. On a des tapettes à bouche, comme ça. On a des balayettes droites, comme celle-ci. Voilà, on a des balais, différents balais, voilà, qui sont finis avec de l'éclisse d'osier. Et puis, on a aussi du tampico, des petits pinceaux tampico là-haut et des brosses à casserole. Et ça, c'est notre culture, c'est du sorgho à balai. On fabrique nos sorghos avec notre culture, on le cultive à Saint-Thomas-sur-Mer. D'accord, donc c'est avec ça qu'on fait les balais, les petits ustensiles. Bon, ben maintenant, on va fabriquer une petite tapette à mouche. C'est parti ! Alors maintenant, on va mélanger la paille. D'accord. Donc il faut bien l'écarter comme ça, et puis en faire plusieurs couches, et bien la tourner en même temps. Donc on tourne 5 fois le fil à 5 niveaux pour pouvoir faire la poignée. Je n'ai pas dit, il faut que tu pousses sur tes pieds pour bloquer ça. Voilà, et là ça tend un peu le fil. Donc le dernier rang, on va faire 10 tours et là on va y coincer le lien en cuir. Puis là, il faut taper sur le manche pour bien l'aplatir. Qu'elle soit, ça fait un manche plat. On évite les doigts. On va faire 5 nœuds pour conserver l'écartement de la balayette. Puis on coupe au droit, ce qui dépasse. Et voilà, une belle tapette à mouches. Les mouches n'ont qu'à bien se tenir.